Allez, bienvenue, cher Makai, bienvenue pour ce nouveau let's play sur le village démoniaque du gaming. Eh oui, le L. Ah non, non, eh oui, oui. Le DAI, le @DAILVD.G. Eh oui, @DAILVD.G. Allez, on est parti pour le let's play. Donc, Ghostbusters, SOS Phantom sur Mega Drive, comme tu vois la jaquette à l'arrière, version américaine pour le coup. Et on est parti tout de suite et je vais raconter mes conneries en même temps que je joue. Parce que comme ça, les nouveaux villageois, si jamais tu tombes comme ça au hasard, parce que t'as tapé SOS Phantom et que t'es tombé là-dessus, eh ben tu te casses pas, on va apprendre des choses, on va jouer surtout. Et donc la communauté a décidé, j'avais qu'à pas poser la question, a décidé de que je fasse le jeu en mode hard, tac, avec 5 niveaux. Ah bah c'était déjà en hard. Ah bah voilà. Donc, avec 5 niveaux. Allez. Donc du coup, regardez la petite... Raymond, alors c'est lui qui a le fric pour acheter le... Peter, c'est lui qui est complètement con. Et Egon, le scientifique. Eh oui, il n'y a pas Winston. Ah, justement, dans la communauté, on s'était posé deux questions. Dans quel mode on fait le jeu? Ah, j'avais dit 5. On en voit, on en voit. Donc là, comme on est en mode hard, on va prendre le bolos, on va prendre le tank. Ah, il faut mieux, il faut mieux, il faut mieux. Donc, c'est pas Peter, c'est Raymond. Alors, il va se déplacer lentement et il va encaisser grave. Donc, on prend lui. Si on aurait pris Egon, le scientifique, vous voyez, il tire rapidement. Enfin, il se déplace rapidement et il encaisse que dalle. Et par contre, Peter, on sait, Peter, c'est le personnage qu'en général on prend quand on veut pas non plus faire du hard ou quoi que ce soit, qu'on joue de temps en temps, une fois tous les 30 ans. Et ben, c'est un middle. Middle pour le tir, middle pour le speed. Donc, on va prendre notre cher... Raymond, c'est lui qui a le fric, c'est lui qui achète la caserne des pompiers. Eh oui. Et donc là, ils se rencontrent tous un petit peu et ils voient qu'il y a beaucoup d'activités. Alors ça, c'est cool pour le business. Eh oui, c'est cool pour le business. Donc oui, effectivement, il y a beaucoup de fantômes. Et donc, eh ben, c'est pas mal parce que tout ça, ça va nous donner du boulot et donc du fric. Et donc, on a pas mal d'appels. Et donc, on a accès à 4 niveaux. Donc, le Sweet Home, donc la maison tranquille, l'appartement, le Woody House, donc le manoir, et le building. Donc voilà. Donc, on va voir qu'il y a un lore qui va se développer. Bien sûr, on va se dire que ce sont des aventures avant que Winston il arrive. On verra que non. Mais no spoiler, on verra que non parce qu'on s'en souvient. Eh oui. Donc, le jeu 90, Sega, ah ouais, un des meilleurs jeux de Ghostbusters. Je crois que de toute façon, les deux meilleurs jeux, pour moi, alors je ne connais pas celui qui est sorti dernièrement, le multijoueur. Il y a Ghostbusters The Game, qui est considéré comme le Ghostbusters 3, avec l'équipe initiale, qui fait suite au Ghostbusters 2, ça me gratouille. Et on a celui-ci. Voilà. Après, il y a des jeux d'arcade, des choses comme ça. Mais en grosso modo, les jeux sont en dessous. Donc, la communauté a décidé... Alors, en même temps, je pose 3 questions. Je mets 2 postes, je pose 3 questions. Je pose normal, 5 crédits, on le fait en 1 heure et c'est torché. Normal, 1 crédit, on crève et on recommence. Try and again. Et hard, 5 crédits. Donc, grosso modo... Je prends un putain de fouet et je me tape comme ça. Parce que normalement, quand vous voulez manipuler un petit peu les gens, la réponse, vous mettez un truc facile qui sera pas choisi, un truc dur qui sera pas choisi, et les gens vont prendre le milieu. Donc j'aurais dû faire normal 5 crédits, normal 3 crédits, normal 1 crédit. Voilà, et on parlait pas du mode hard. Parce que honnêtement, là vous avez voté pour le mode hard. Enfin, pour ceux qui étaient pour les chevaliers de la table ronde, qui sont assis dans le village démoniaque, autour de... à côté de ma chaise, comme ça, moi, je... Tous les larmes, hein. Enfin, chevalier. Et donc, eh ben, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont dit, ah, bah tiens, 50% hard, 50% un crédit. Ah ouais. Donc, ils me connaissent très bien, les larrons. Ils savent très bien qu'en fait, on va finir en faisant les deux solutions. Aïe, 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 aïe. Ouais, ça veut dire que je suis mal barré. Et donc, après... La deuxième question, c'était, est-ce qu'on fait l'édition spéciale avec Winston? Parce que bordel de mec, merde, on aime bien Winston. Moi, j'adore Winston dans Ghostbusters. D'ailleurs, plus grosso modo, il aura dans le vrai 3 Afterlife,
Il aura, lui, ce sera le plus important de l'équipe, on va dire, en tout cas, de ce qu'on va voir. Après, voilà. Après, on n'a pas encore vu la menace de glace, à l'heure où j'enregistre la vidéo. Et donc, il n'est pas sorti. Il sort dans, pour vous qui êtes dans le futur, dans 8 jours. Et oui, parce que Ghostbusters fait partie de la trilogie. Je t'invite à aller regarder si t'as pas fait 3 jeux rétro pour Halloween, première vidéo de la chaîne. Et ouais. Ouais, ouais, on rentrait comme ça dans le monde de YouTube avec cette vidéo-là. Et donc, on présentait... on est plusieurs dans ma tête. On présentait quoi ? Qui ? Quoi ? Comment ? Splatterhouse. Génial. Hunter Castle, c'était le jeu pourri. Ah ouais, c'était le Castlevania pourri d'arcade. Ah ouais. Et Ghostbusters. Et donc, on a fait le let's play après de Splatterhouse. 3 crédits, je crois. 5 crédits. Je sais plus. Je sais plus. 3 ou 5 crédits, j'en sais rien. Hunted Castle, 3 crédits, on n'avait pas le choix, parce que l'arcade, c'est 3 crédits, c'est pas plus. Ou 5, je sais plus. Je t'invite à aller voir les let's play, si tu aimes bien quand ça gueule. Alors attention, ça va gueuler. Si tu aimes pas quand ça gueule, va vite regarder un tout savoir sur, par exemple, tout savoir sur Agony, tout savoir sur Spartanix, et sinon, 3 heures rétro sur les shoot'em up, super. 3 jeux rétro qui auraient dû être des poissons d'avril. Ça, c'est celle que j'ai fait la semaine dernière. Qui est vachement bien. Enfin, d'après les villageois. Ils ont été gentils avec moi, on va dire. En tout cas, je t'invite à aller voir ça. Et si t'aimes pas quand ça gueule, faut se barrer. Parce que là, ça va gueuler. Parce que moi, je vais pas réviser. Voilà. Moi, je vais avoir des t-shirts. Le Die. Le village démoniaque. J'ai pas révisé. Voilà. C'est tout, c'est comme ça. J'espère que la leçon, c'est bon et tout ça. Et donc, on envoie le jeu parce que c'est trop long. Et après, on continuera à raconter nos conneries. Donc, du coup, vous avez choisi les deux. Parce que dans les questionnements, qu'est-ce qu'on fait comme jeu ? Il y avait le jeu normal, le jeu, la spéciale édition, parce que bordel de merde, on veut jouer avec Winston, ou les deux. Bah, vous avez choisi les deux, par contre, à 60%. Donc là, carrément. Et par contre, 50% pour... un crédit normal et 5 crédits hard. Donc on joue en hard, on a droit à 5 crédits, et on va essayer de faire les choses correctement. Allez. On connaît le premier... J'envoie le jeu. On connaît le premier tableau. Mais qui sait réellement la difficulté du jeu en hard ? Qui a joué en hard ? On a joué quand on était gamin, en 90-91. On a joué, on a fini le jeu. Ben bien sûr. Après, quand l'émulation est arrivée, dans les années 2000, peut-être un peu avant, peut-être un peu après, t'as fait ça. Bon ben... T'as refait ton jeu Mega Drive, d'accord ? T'avais vendu pour te racheter une autre console. Bon, t'as refait ton jeu Mega Drive, mais t'as joué comme ça ? Ou peut-être tu l'as fait il y a 24 ans, 25 ans ? Mais à chaque fois que t'y rejoues, on va pas se mentir, tu fais le premier tableau vite fait, tu dis putain il est bien le jeu, et puis tu te barres sur autre chose. Bah c'est exactement ça. Donc là la dame elle dit putain il y a tout qui tremble. Ah bordel c'est le bordel, vite, venez m'aider, je vous donne du fric. Ok, bah, nous on est là pour faire... C'est... Mot pour mot c'est ce qu'elle dit. Hein. Elle dit... Ça bouge, venez m'aider, je vous donne du fric. Lui, on lui dirait bien, attendez, t'es bien mis en net et tout ça. On va pas commencer. Donc, on va pas commencer à frustrer des gens. Donc, du coup, eh ben voilà, lui dire, on est là pour ça, on est les Ghostbusters, et c'est parti. Et là, il y a un petit fantôme, un middle boss, un petit fantôme. Donc, là, ce tableau-là, on le connaît, c'est après que ça va puer. Par contre, on connaît pas ce qui se passe en hard. Et donc, home sweet home, hop, la maison tranquille, qui tremble, et voilà. Et là, on a notre tank. Donc, d'habitude, on prend Peter. Là, c'est Raymond. D'habitude, on prend Peter. Alors, qu'est-ce qui va se passer en dur ? Ah, il fait popo. Quand il bouge pas, c'est animé. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque des les graphiques sont super. Ah ouais, tu vas me dire, ouais, mais l'arrière, c'est pas terrible. Mais il y a quand même, regarde, on dirait qu'ils ont essayé de faire des reflets sur les vitres. Tu aimes pas ? Il y a un effort. Et en tout cas, les caricatures des personnages sont super. Donc, 3 boutons. On saute, vous l'avez vu sur la notice. On tire dans les diagonales. On peut se baisser. Par contre, quand on se baisse, on se retourne pas. On tire. Et l'autre bouton, je vais pas vous montrer, c'est la grenade, la bombe, la bombasse. Est-ce que ce serait pas celle qui aurait besoin d'aide, la bombasse ? La petite blondette ? Non, commence pas. Allez, donc du coup, lui, déjà, il tire. Il lui faut pas qu'un tir pour crever. Oh, putain. Ouais, putain, mais ça repop. On va pas commencer avec les putains. Les filles de joie. Oh, les filles de joie, il faut ça repop. Ah oui, parce que... Ah. Voilà. Il crève pas. 3 tirs. Ah putain, non, ça c'est trop. Ça c'est trop, si ça vient tout le temps comme ça. Moi j'ai fait Ghostbusters. Ah putain, mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Moi j'ai fait SOS Phantom parce qu'on voulait se faire du bien. On voulait, parce que c'est un petit jeu, c'est sympa. Les graphismes sont super sympas. Et ouais, regarde. C'est cartoonesque. C'est ça qui est bon. Ah. Ah putain. Oh, mais il y en a de partout. Oh putain.
Alors, normalement, on va essayer de se souvenir. Dans la notice, il disait le fric. Il y a du fric. Alors, dans les caisses comme ça, on peut trouver des bombes, du fric. Ah voilà, des bombes ou du fric, je crois. Oh putain. Qu'est-ce qu'il fait? Il va me tirer dessus ou pas? Voilà. Mais qu'est-ce qu'il... Alors, la... Combien ça donne? Ça donne 390? Non. Quand on tue les mecs, ça donne des sous? T'entends-tu? 10 balles! On peut farmer. On peut farmer le fric. Ah! Qu'est-ce qu'il fout là, ce... Putain, mais... Oh, putain, mais... Oh, putain. Ah, c'est parti pour toutes les... C'est parti pour... Donc, le but du jeu, on se souvient, j'arrête pas le jeu tant que j'ai pas fini. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, moi, le fric. Ah, voilà. Ok. Ça l'active. Quand je tire, ça l'active. Il s'excite. Là... Oh putain. Non, mais non. Non, non, moi je dis non. Oh putain. Oh putain. Non, mais... Non mais c'est bon, moi j'ai donné la semaine dernière, enfin il y a 15 jours avec Trojan, c'est bon. Après, normalement, j'aurais pas dû vous dire ça, j'aurais dû vous dire... Non parce que, je sais pas, mais il me semble que 3, que 1 crédit en normal, il me semble que c'est déjà plus digeste. Que en dur, là, déjà, normalement, les bonhommes, je crois qu'ils tuent, ils crèvent en une fois. Hein. Donc, j'appuie sur Start. Ça c'est Weapon, donc l'arme. L'arme, on en a une, on va pouvoir en acheter d'autres au magasin. Shield, on a deux trucs de shield. On achète au magasin. On a des bombes. On a deux lunettes. Ah ouais. Deux lunettes gratos. Donc, c'est pour voir dans l'obscurité. Et le poulet, on le sait pas gratos. Le poulet, il faut l'acheter. On a vu sur la notice, 1500 balles. Oh putain, ça y est, je commence à faire des rototos. Et donc, normalement, on peut sortir du... Normalement, on peut sortir du tableau. Pour aller... Ah. Oh putain, Splataros. Ah! Bouffe tout. Alors, le slimer, on adore le... Voilà, il nous donne des trucs. Parfait. Oh, putain, ça repop à une vitesse. C'est un nom. Oh, putain. Oh, moi, je suis pas d'accord. Alors. Par contre, du coup... Ça, on se souvient un peu. Le problème, c'est les autres tableaux. Celui-là, on l'a refait 25 fois, parce qu'on se dit... Oh, tiens, tu casses mon cerceau de Mega Drive. Tu fais ce tableau-là, puis tu te casses. Tu fais pas en dur, ça, c'est sûr. Moi, je connais pas les difficultés. Eux, ils crèvent en un coup. Bah, c'est tant mieux. Alors, là, du fric, une bombe. Est-ce que c'est aléatoire ou pas? J'en sais rien. Est-ce que quand on se casse... Ah oui, ça, c'est ma chaise. Vous savez, je fais du tempo avec ça. Ouais. C'est pour m'allonger, comme ça. Quand je m'allonge, comme ça, avec la petite paille, vous savez, qu'on est bien, hein. Non, mais non, je fais jamais ça, vous le savez. Donc, du coup, vous savez, c'est le truc du bas. Alors, peut-être que je pourrais l'enlever, parce qu'en fait, je m'en sers jamais. Alors, là... Oh, putain. Oh, oh putain, il va me tuer. Non, c'est bon. D'accord. Je sais pas. Ça passe. Quand on court comme ça, ça passe. Là, il y avait du fric. Lui, je vous ramène à 4 mois. Putain, on peut pas le tuer. Enfin, moi, j'ai essayé de le tuer, ça le tuait pas. Alors, moi, j'ai une question. Il est tombé. Ok, donc là, on sait qu'il y a le premier middle boss en bas. Donc, la tasse. La tasse. Ok. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'on farme? Est-ce qu'on peut farmer? Est-ce qu'on farme? Il n'y a pas de temps, visiblement. Donc là, quand j'appuie sur Start, on a le tableau à droite. Vous avez une carte. Claire, je suis déjà passé. Foncé, je ne suis pas passé. Donc, on voit qu'il y a déjà à gauche, il y a un truc qui ne va pas. Et on imagine qu'il faut aller à droite. Ensuite, j'ai sélectionné le Norman Shoot. J'ai 1290 balles. Il me semble que le tir qui nous intéresse, ça doit être les 3 boules. Bah, je sais pas combien il vaut. J'ai deux... En bas, il y a deux SOS fantômes, j'ai deux vies. Je sais pas si on peut en gagner ou pas. Je me souviens plus, je crois pas. Et 3 bombes. Ça, on peut en acheter, c'est 100 balles. Ok. Visiblement, le sac, ce serait 300 balles. Ça veut dire que... Ok. C'est quoi, ça? La tasse, elle est déjà revenue en haut. Regardez le truc qui bouge. Le truc qui bouge en haut, c'est la tasse. On n'a même pas sorti. Qu'est-ce que c'est? Alors, premier tableau. Alors, premier boss. Alors, du coup, lui, il faut taper la tête, après, il se sépare.
Et le fameux sort prend la tête à tout le monde. À moi le fric. Allez. Et du coup, il va Allez, il tape. Ok, donc ça. Ça, c'est bon. Ensuite, il va tirer et tout, je sais plus. Voilà, il tire. Alors ça, est-ce que on peut... Oh putain, mais il y a beaucoup de trucs. Ah bah, les bombes, ça fait pas péter. Nickel. Les bombes, ça fait pas péter. Putain. On envoie les bombes. Ok. Ah. Oh mais là, c'est trop. Hein. Ah, ok, allez. Regardez-moi ce design de dingue. Non mais sans déconner, on n'en parle pas. Vous avez vu le boss, comme il est sympa. C'est cartoon, c'est... Oh putain. Lui, il faut le choper. Lui, ce qu'on veut, c'est qu'il nous donne son fric. Parce que dans la poche, il a plein de fric. Non, c'est la gonzesse. La jolie demoiselle qui est emmerdée par ces putains de fantômes de merde, qui veut nous donner du fric. Alors, on va aller la voir. On va récupérer les 1000 balles. Et en même temps, on voit comment ça se passe. On voit si on refait le tour, s'il y a des sacs ou pas. Déjà, il y a quoi là-haut? Il me semble que là-haut, c'est le boss. D'accord? Une espèce de chou-fleur. Ouais, on se souvient de ça. Donc là, il y a un Slimer. Bouffe tout. Mange tout. Alors, mange tout dans le dessin animé. Alors, on en parlera de ça. On en parlera, mais pour l'instant, il faut que ça game. Parce que sinon, vous vous cassez. Alors, du coup, après, mettez 1,2. La vitesse. Voilà. Vous cassez pas la tête. Pourquoi vous emmerdez? Alors, hop. Oh, putain. Oh, putain. Ah! Voilà, ça on le savait. Ça on le savait parce qu'on l'a fait. On l'a fait il y a 4 mois. Hop, tac. Allez, c'est bon. Allez, par contre, ce qu'on n'a pas vérifié. Alors, lui il va me tuer. Ah, voilà. Alors là, je suis en train de perdre des points. Hein. Oh là là. Hop. Alors, attention le fric. Oh putain. Please, get right through the ghost. Ok. Tiens. T'inquiète pas. On va te dégager. Là. Putain, mais ils sont pressés déjà. Please. Oui, mais t'inquiète pas, on va te rendre... Alors, du coup. Item shop. 1500 balles le poulet. On peut acheter des bombes. Ok. Ça coûte 100 balles. 500 balles. Le gyoza. Le gyoza, c'est... Ok. 500 balles. Deux sacs. Donc, il faut voir si, quand on fait le tour, il y a moyen d'avoir deux sacs. Parce que ça, du coup, on va repartir avec notre énergie. Ok. Et je peux acheter un poulet. Ce qui me protège de la vie, déjà. Et là, j'ai plus de fric. Donc là, c'est comme si je partais à zéro. Sauf que j'ai déjà gaulé le fantôme. Aïe, merde. Ah, putain. Ok. Donc là, eh ben, il faut voir. Il faut voir si on peut farmer. Ah, ça va être long. Il fallait pas choisir hard. Eh, je suis dans la merde, moi. Donc, il va avancer à tâtons comme un con. Oh, putain. Ah, c'est ça, hein. Il se met en action quand on tape. Putain. Oh là là. Mais fous-moi la paix. Pourquoi il vient tout de suite? Ah, là. Lui, on fout la paix. On se met là. Ah, mais ça, tout seul. Là, j'ai pas tapé. Donc là, on avance, hein. Oh, putain. Ah, je vais commencer avec les fils de joie, là. Aïe, dans la gueule, putain. Mais, oh. Du fric. Alors, 10 balles, le problème, 10 balles, ça s'est passé. On peut pas farmer les monstres, par contre. On peut que farmer les sacs de fric. Qu'est-ce que j'ai? Ah là là, ça va pas le faire. Ça va être long, mais ouais, c'est comme ça. C'est le let's play, hop. Alors, je sais pas. Du coup, normalement, le let's play, il s'envoie avec la miniature. Oh putain. Saute. Ah, c'est pas mal. Fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule. Ah là, ah. Ouh là, je tourne en boucle au niveau du pognon. Au niveau de l'énergie. Les sacs. Et... Ok. Donc là, faut qu'il y ait du fric. Oh. Est-ce qu'on va pas farmer comme des porcs? Ah, c'est pas intéressant ça de regarder un mec farmer. Ah, voilà. Oh putain, j'en prends plein la gueule. Non, c'est pas grave. Oh putain. C'est où le bouffe-tout? C'est où le bouffe-tout? Le bouffe-tout, il. Ok, là il revient pas. Il y a un deuxième bouffe-tout. Là, ça. Ah, moi j'ai déjà mal de partout. Ah ouais, bah oui. Alors du coup, ben. Du coup, je vais faire comme ça. J'enregistre là. Oh putain, t'imagines, j'enregistre pas. Voilà, je vais faire comme ça. Et donc. Ok, on va aller chercher le bouffe-tout du haut, c'est ça? Pour avoir son énergie. Ah, c'est long, hein. Ah, merde. Pas bon, ça. Est-ce que le bouffe-tout, il donne du fric? Hop. 1180. Oh. Hop. 1180. Il donne rien du tout. Donc, du coup, effectivement, le film sort en 84. C'est le plus gros succès au niveau des comédies. 200... Ouais, de tête. Hein. 240 000 aux États-Unis, je sais plus. À peu près la même chose. Dans le monde, en tout cas, gros carton. Gros carton, ce qui donnera lieu à la licence, après. Alors, on sait que notre cher...
Bill Murray ne voudra pas revenir. C'est pour ça que ça mettra du temps. Et c'est pour ça que le 2, du coup, est un petit peu... Oh putain. Non, il faut pas qu'on crève, là, comme ça. C'est horrible. Et c'est affreux. Donc là, elle me donne que dalle. Par contre, là, il faut... Si je veux farmer, il faut que je pas que j'achète. Par contre, je... Ah, putain, ma vie. Oh là là. Alors là, bluff. Oh, j'ai deux fois. Oh, c'est bon, ça, à savoir. Alors, il y a le passage du haut, là, qui pue du cul. Ah, là, ça sent ça. Ah, ça, c'est pas mal. Ça sent pas mal de la fesse. Et là, il y a les deux. Ah, j'étais mieux passé, hein. Oh là. Ouf, c'est à l'arrache. Est-ce qu'il y a du pognon? Il n'y a pas de pognon, on se fout de ma gueule. Oui, alors dans la vidéo des 3 jeux rétro, j'essaie de prendre la bombe. C'est pas trop. Ok. Là, il y a un bouffe-tout. Non, pas du tout. C'est pas encore. J'ai pas la musique encore. Hein. Là, il y a un bouffe-tout. Nous, ce qu'on veut, c'est l'énergie. Ensuite, on va prendre le fric. Là, il y a... Putain. Il y a le faux plat. Ah, il va nous faire chier le faux plat. Ah, très compliqué. Eh, franchement. Ça, en mode normal, un coup, et il est bastard, hein. Le mec, un coup, et hop, là, ça disparaît, hein. Ça se va pas. Oh, putain. Oh, je peux pas oublier. Oh, deux bombes, pas de chance. Ah, peut-être qu'il y a de moins en moins d'items. Non, peut-être que c'est carrément aléatoire. Sauf là. Ouais, là, c'est du fric. J'ai jamais eu autre chose que du fric, là, il me semble. Je veux dire, même quand je fais Halloween, alors c'est peut-être un... Peut-être un hasard, hein. Quand je fais le truc d'Halloween, ça, ça rapporte combien, ça? 150. Oh, 750. Ah mais c'est une tasse. Moi j'ai un putain d'ectoplasme là, la tasse il faut 20 ans. Alors du coup moi je pense. Ok, je pense qu'on va aller manger le bouffe tout, tant pis ça met 3 plombs. Alors ce qu'on veut c'est gagner du fric. Alors après, peut-être que c'est comme dans... Peut-être que je me fourvoie. Peut-être qu'il faut faire comme dans... Vous savez la vidéo de Thunder Force que je vous fais? Eh oui, qu'est-ce que je fais dans Thunder Force? Thunder Force je prends pas la première planète, je prends la planète où il y a un shield. Parce que vous le savez pas quand vous regardez la vidéo, mais moi je veux faire un one life. Donc du coup je prends... Ça va être payé. Ça pour sauter. Ça marche pas. On est obligé de se faire toucher. Lui, hop. Les zéos plats là-bas qui font chier. Là, les petits rototos, c'est normal, c'est nerveux. Hein. Alors, du coup, là, j'arrive là. Bah, là, on va passer comme ça. Oh, putain. Ah ouais, ou alors pas du tout, même. Tombe. Oh là là. C'est moi, ma vie est en train de fondre. J'espère que je vais pas être éjecté du tableau. Vous n'avez pas. Vous arrêtez pas de faire des allers-retours comme des connards. Vous n'avez pas rempli le contrat. Oh là là. Ah oui, très bien. Du coup, ça on s'en fout. Alors là. Ok. Oh, 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 oh. Voilà, je maigris. Ma vie maigrit là, c'est pas bon. Donne-moi du fric. Ouais, heureusement qu'on a pris le gros. Le gros, le tank. L'anacroy n'est pas gros. Surtout dans les SOS fantômes. Pas tant. Merde. C'est-à-dire, il est où le bouffe-tout? Il est là. Il est beau, il est tout joli. Donc on adore le Slimer. Ah ouais. À partir du moment où on le voit dans le premier film, qu'il englue Bill Murray, Peter, on adore le personnage qui mange comme ça, mais comme c'est... Le film est incroyable de toute façon. Hein. De toute façon, ça, Retour vers le futur. Alors, Retour vers le futur, ce qui est incroyable, c'est la trilogie qui est incroyable. Ouais, SOS Phantom... Oh putain! Sans déconner! C'est absurde! Non, SOS Phantom, c'est que le... Celui qui est... Il y a la hauteur, on va dire, de Retour vers le futur, c'est le premier. D'accord? Le 2... Ça dépend à quel âge tu l'as vu. Hein. Il n'y a pas d'argument. Pour la chaîne, il n'y a pas d'argument d'autorité au niveau de l'âge. Ah bah j'ai perdu mon filtre. Là, ça fait du bruit. Voilà, c'est génial. Voilà. Super, hein. Avec un peu de chance, ça va appuyer. Enfin, qu'est-ce que... En plus, c'est génial. C'est super. Vous savez que je vais pas couper. Hein. Alors du coup, le Slimer. Donc on n'a pas de temps. Okay. On va faire le point quand même. Moi, ce que je voudrais, c'est retrouver ma full vie. Et puis... Et puis voir ce qu'on va acheter comme arme. Ah ouais. Ah ouais. C'est ça. Combien ça coûte? Le problème, c'est que là, voilà. Là, c'est fait, là. Tout pognon que je prends, je le prends. Alors, vous allez me dire, ah, mais ça se trouve au bout de 5 niveaux. Un putain de troll. Ça se passe pas du tout comme quand on y va. Alors là, on se fait toucher. Ça, par contre, ça se passe tout le temps comme ça. Ah là, les burgers, tu les manges. Ouais, je sais. Ne t'inquiète pas. Je sais très bien ce que je fais. Hop. 2000. Ouais. On fait le tour encore une fois, et après on regarde ce qu'on peut acheter quand même. Ah, ou une protection, j'en sais rien. Alors. J'ai pas regardé les prix. Bon, ça c'est... Oh, mais putain, mais que c'est pénible. Ouais. Ah. Non, oh là là. Ah, c'est pénible, hein. Il faut y plusieurs coups. C'est sûr que... Oh. Oh, bah là... Ah, la caisse. C'était du fric. Oh, putain. Va falloir que j'assure.
Parce que là, il me faut les bouffe-tout. Alors là, voilà. Bien. Ah ouais, ouais, bah ouais. C'est le problème. Ok. C'est bien, ça. Allez, en même temps, je prends la jouabilité en main. Par contre, putain, j'ai mal de partout. Ah bah oui. C'est le problème. Oh putain. Là, faut prendre le jeu en main. Alors évidemment, oh là, je vais me faire péter la gueule. Putain. Le putain d'œuf, là. Non, mais c'est une blague. Une blague. L'œuf, il revient, là. Ah, c'est les deux connards. Voilà. Les amis, les deux amis. Commençons pas. Alors du coup, graphiquement, c'est super. Super bonne caricature. On est au top. Là, il y a plein de petits fantômes comme ça. Bah, super mignon. Donc là... Ça, ok. Ça, c'est fait. Alors là, il y a l'espèce de... Oh. Il est beaucoup trop rapide, lui. Putain. Putain, mais c'est débile. Alors, hop là. Ah, il meurt. Alors là, bouffe tout. Oh, ok. Donc du coup on a de l'énergie, c'est bon, on respire. On peut respirer. Ce qu'il faudrait c'est que je gagne du fric là. Ah ouais. Là on a dit qu'on trace, on arrête les conneries. Allez, il faut, normalement... Mais merde. Ah ouais, oh putain, j'ai failli faire comme tout à l'heure. Donc, voilà, il faudrait que... On a... C'est pas du tout ce que je voulais faire. Ok. Donc on a un film qui sort sous l'effigie de la Columbia. Alors la Columbia, attention, quand je vous dis que la Columbia ça appartient à Sony, ça appartient à Sony... Sony est détenteur de la Columbia à partir de 89, hein. Ah bah oui. Sinon, en 84, c'est Coca-Cola qui détient la Columbia. Et je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, je ne suis pas renseigné, j'ai pas révisé, je ne sais pas pourquoi Coca-Cola vend la Columbia, c'est une manne de fric. Peut-être qu'ils se disent, ouais, ils gagnent tellement de fric, peut-être Coca, qu'ils se disent, oh, ça vaut pas trop le coup, le cinéma. Ouah, éteint de merde. Alors, du coup, hop, tac, on y va. Alors, là, pourquoi là, ça part en... Ok, ok. Non, j'ai essayé, hein. J'ai essayé de faire un effort. Moi, j'ai essayé. Ça se voit pas, mais voilà. Ça, ça dégage. Ah bah voilà. Ah, comme ça. Ah bah. Premier 6. 5000. 3000. On va jusqu'à 5000. Alors, est-ce que j'achète ça? Ok. Ça réduit les dommages. Énergie, masse. C'est le gros tir. Ça, c'est le ça, c'est ça qu'on veut. Ça, c'est ça qu'on veut. Ça, c'est un tir qui explose. Vous tirez, ça explose. Ça, c'est un tir qui monte. Ça augmente votre réservoir de... Votre énergie en bas. Donc, en fait, en bas, vous avez deux barres. La rouge, c'est l'énergie. Les tirs spéciaux ou tout ce qui est shield. Et après, bah, en haut, c'est la vie. Donc là, le mec du haut, je le tue. Ensuite, il y a l'œuf. L'œuf spectral. Voilà. Direct, il attaque, lui. Il vénère. Hop, lui, on a dit que c'était comme ça. On a dit que c'était comme ça. Alors là, voilà. Lui, c'est incroyable. Oh. Ouais. Ça fait partie des jeux, vous pouvez pas juste vous planter un peu. Voilà. En mode hard, hein, encore une fois. Hein. Voilà. Toute ma vie qui est défoncée. Il va revenir les trucs rouges? Non. Le fric. Voilà. J'ai toute ma vie qui est partie en lambeau. On va faire l'aller-retour, c'est pas grave. Hein. Ouais, ouais. C'est pas grave. Alors, du coup. Ok. Oh putain. Ah oui. La vaisselle. Voilà, Splatterhouse. Hop. Poste numéro 2 de Splatterhouse. Ah là. L'œuf. Ah putain. Ça va me prendre la tête, c'est ça? Je suis pas tombé dans le bon trou. Je suis pas tombé dans le bon trou. Ouais, allez, on fait un aller-retour. Et là, il faut absolument aller au bouffe-tout. Voilà. Là, l'objectif, c'est bouffe-tout. Voilà, ça c'est bon. Donc, il y a le passage à la con. Ça, c'est bon. Ah, pas fait toucher. Faut passer à... Là, faut vraiment que je me mette en diagonale. Ah oui. Voilà. Putain. Ah, merde! Putain, c'est dingue! Allez. Bon, là, il faut... Ah. Oh, putain. Ça, c'est bon. Non, oh là là, bah là. Je me fais toucher, je crève. Bon, du coup, là, plusieurs possibilités. Et où je prends mon poulet? Où je crève pas? Il a mis 500 balles. Allez. Allez, c'est pas le moment, hein. Ah, c'est bon. Putain. Y'a pas le bouffe-tout. Putain. Et ça, ça revient, ça. Il revient, l'œuf. Non. Allez, donne-moi ton truc. Bon, bah là, c'est bon, on respire. Putain. Ça a failli être la merde, hein. Une vie perdue, là. On sait que les vies, on en a besoin, hein. On ne sait pas du tout ce qui nous attend. On se prépare, là. Non. Putain, jusqu'à maintenant, ça passait. Oh. Jusqu'à maintenant, ça passe. Là, t'y vas à fond, ça passe plus.
Ça, j'adore. J'adore. Allez. La tasse. Ok, je fais de la merde. Putain. Allez, c'est pas grave. J'ai des bombes. Oh putain, tout à l'heure j'ai failli crever. Peut-être qu'il aurait fallu que je prenne une bombe. Alors du coup, bah, on va refaire le... Le boss, c'est l'espèce de souffleur. Il est pas très ronron. Il est très dur. Enfin, il envoie des trucs de partout. Ouh là, je me fais toucher, c'est ça? Non, je me fais pas toucher. Faut juste vraiment se frotter au pic. Allez. Voilà. Ça compte. Ah putain. Allez. Les deux sont morts? Ah, putain. Sûr que non. Ok. Combien j'ai de fric? Ah, 5000 librouettes. Ah. J'hésite. On va prendre le tir. C'est les premiers tableaux, on prend le tir. Du coup, j'ai 500 balles. J'ai 600 balles. Merde. On va prendre le gros tir. Ok. Ok. C'est pas mal. Là, ça joue. Là, j'aime bien. Il y a du fric. Là, c'est bon. Là, on est bien. Ok. Donc là, tac. Ça c'est bon, ça c'est validé, 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 ok, tout est validé, tout est magique. Oh putain. Il est... Si, il est venu. Il n'y a pas beaucoup... Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, c'est... Comment je fais là pour vous parler, pour vous machiner? C'est ça le truc. Mais merde, je suis pas allé direct. Putain, t'as touché? Non, c'est bon. Ah. La vaisselle? Oh putain. Ok. Non. Imaginons que ça se passe mal. Non, c'est un non. Allez, on va faire crever. On va direct aller choper. Mange tout, bouffe tout, le Slimer. On va refaire une boucle, et après, une fois qu'on aura full vie, on ira faire le... Zibros. On aura bien connu ce tableau. Est-ce qu'on a toutes les... Ouais, voilà. Ah, voilà. Donc là, comme j'ai pris le... Comme j'ai tué le middle boss, le boss apparaît. C'est le point rouge, et moi, je suis le point bleu. Donc on voit qu'il est à gauche. J'ai pas eu d'énergie. Il m'a pas donné d'énergie. J'hésite! On va prendre le tir. C'est les premiers tableaux. On prend le tir. Du coup, j'ai 500 balles. J'ai 600 balles. Merde. On va prendre le gros tir. Ok. Ok. C'est pas mal. Là, ça joue. Là, j'aime bien. Il y a du fric. Là, c'est bon. Là, on est bien. Ok. Donc là, tac. Ça, c'est bon. Ça, c'est validé. 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 Ok, tout est validé, tout est magique. Oh putain. Il est... Si, il est venu. Il n'y a pas beaucoup... Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, c'est... Comment je fais là pour vous parler, pour vous machiner? C'est ça le truc. Mais merde, je suis pas allé direct. Putain, t'as touché? Non, c'est bon. Ah. La vaisselle? Oh putain. Ok. Non.
Non, non, non. Imaginons que ça se passe mal. Non, c'est un non. Allez, on va faire crever. On va direct aller choper. Mange tout, bouffe tout, le slimer. On va refaire une boucle. Et après, une fois qu'on aura full vie, on ira faire le... Zibros. On aura bien connu ce tableau. Est-ce qu'on a toutes les... Ouais, voilà. Ah, voilà. Donc là, comme j'ai pris le... Comme j'ai tué le middle boss, le boss apparaît. C'est le point rouge. Et moi, je suis le point bleu. Donc, on voit qu'il est à gauche. J'ai pas eu d'énergie. Il m'a pas donné d'énergie. Allez, on va faire le boss. Voilà, ça m'a tué. Le truc de l'énergie, là, ça m'a calmé direct. Voilà, alors le putain, lui, regardez-moi comme il est beau. Oh là là, il est tout vert, tout gros. Quelle heure il est? Putain, ça fait 40 minutes sur le premier tableau. J'espère que vous êtes contents. En plus, ça va faire plus parce que je vais vous intégrer la notice. Alors du coup, oh, qu'est-ce qui se passe? Putain, merde alors. J'étais en train de faire dodo. J'étais bien dans mon dodo. Et quand on me réveille, ah, il est pas rond. Il est pas content. Alors, du coup, on peut faire ça. J'ai appuyé sur le tir comme un putain de bolos. Je suis désolé. Ça n'a pas commencé, mais non. C'est de la merde. Vraiment de la merde. Putain! Tirer deux fois ce con. Les deux bombes. Oh là. Allez. C'est bon! Attention les yeux. Voilà. Vous avez vu, c'est un peu cette animation de fou. Regardez comme il est mignon. Avec son petit truc, oh, il est déjà mort, mais il a quand même la petite auréole. Oh putain, les petits yeux qui tombent. Et c'est magnifique. Voilà. C'est pour ça qu'on adore ce jeu. C'est par rapport au caractère design de dingue. Ah oui, d'accord. Il ressemble pas vraiment à Raymond, le mec. Mais on s'en fout. On s'en fout. Vraiment, c'est tellement sympa. On est sur Mega Drive. Thank you very much. Il n'y a pas de souci. On s'arrange comme tu veux. Et ben voilà. Et ben la gratitude. Voyez, prenez tout mon fric. Et ben on va le prendre. Alors du coup, 2000. Ah. Du coup, 2000. Faut que je rachète un poulet. Alors, oh pardon. Putain, qu'est-ce qui s'est passé? On a du fric, ça c'est cool. Par contre, il y a une étrange tablette en pierre. Regardez bien la pièce, ok, d'accord, la tablette, ok. Bon, il y a des inscriptions dessus. Et on pense qu'on pourrait aller continuer à travailler parce qu'il y a beaucoup trop. C'est peut-être pour ça qu'il y a des fantômes. Donc du coup, eh ben on va être obligé d'acheter le poulet. Ouais. Ouais. C'est ça qui est con. C'est ça qui est con. C'est que là, 1500 balles dans le cul. Ouais. Mais après, c'est pas grave. On n'est pas mort. On est en mode dur. Premier tableau, on n'est pas mort. Donc, il nous reste encore les 5 crédits. Alors, putain, qu'est-ce que je me caille dans mon appartement? Qu'est-ce qui se passe? Vous inquiétez pas. On va faire le boulot. On va trouver pourquoi. C'est notre business. C'est notre travail. Et là, il y a deux middle boss. Une fille. Et un golem, si on se souvient. Alors là, je me souviens plus. Là, c'est déjà... Je crois qu'il faut aller en haut d'abord. Ah, là, il y a les autres packs. Hop. Qu'est-ce que... Regarde, ah, c'est... Merde. Fais voir. Non, je crois pas que ce soit par là. Fais voir. Non. Putain. Ah là là, mais que c'est de la merde. Je pense que c'est pour le retour. Là.
Je pense que la porte, là, c'est pour le retour. Oh là là, mais qu'est-ce qui... Qu'est-ce que... Bon, déjà, ça commence, là. On est mal barré, hein. Putain. Oh là 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 là. Mais merde. Alors. Combien... Est-ce que ça rapporte plus? 1740. Est-ce que les ennemis rapportent plus? Putain. Donc là, il y a un mec. Oh! Dix. Ça rapporte pas plus. C'est de la merde. Ah, ok. Ah. Du fric. Même fric. Donc là, déjà, on peut faire une boucle. Déjà. Déjà, on peut faire une boucle. Qu'est-ce que... Putain, mais... Oh, en fait, je pouvais pas monter, c'est ça? Ah non, putain, c'est juste, d'accord. C'est juste d'accord pour ça, ok. Du coup, faut qu'on aille à droite. Oh, putain, mais c'est de la merde, hein. Du coup, on va par là? Non, mais... Ok, on tombe. Non, mais... J'ai plus d'énergie? J'ai plus d'énergie. J'ai plus d'énergie. Alors du coup, comme ça, j'ai la caisse et puis j'ai le bouffe tout, c'est pour ça. Qu'est-ce que... Ok. D'accord. Ça, c'est de la merde. Ok. Oh, oh, oh. Ah, évidemment, je tire, puis ça touche rien, hein. Putain, tu crois que ça toucherait? Allez. Putain, sans déconner. Ah bah voilà. Qu'est-ce qui se... Ok, bon, bah, quand t'es sur l'échelle, tu te fais pas toucher. Hein. Heureusement, je serais mort. J'aurais perdu ma première vie. Alors là, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas acheté de bombe. Putain. J'ai pas acheté de bombe. Allez, va te faire foutre. Putain. Putain, mais sans déconner! Ah bah, heureusement que j'ai fait ça. Je crois que ça m'a touché qu'une fois. Ah voilà, il était là. Ouais, c'était... Bon, bah. Allez, je te pensais du fric, là. Ça fait... Là, il faut que je trouve un truc. Ok. D'accord. Ok. Ok. D'accord. Ça, c'est bon. Du coup, là-haut, je fais la boucle. Ok. Là, il y a le truc. C'est insupportable. Là, il y a bouffe tout, mais... Ah, si, il m'a donné de l'énergie. Ça, ça me troll pas. Ça me troll une fois sur deux. Ok. Donc là, on est bon. Donc là, ce qu'on veut... te faire foutre. Ok. Là, ce qu'on veut, c'est déjà, on va racheter des bombes. Voilà. Ok. Ouais, ça sent la boucle. Allez, donc là on voit le tableau, là c'est tout gelé, là putain, il fait glagla, hein. Ouh, il fait glagla. Ah putain, c'est pas ce qu'on voulait. C'est pas du tout ce qu'on voulait, c'est une catastrophe. Allez, ça c'est bon. On va essayer de prendre de l'énergie, hein. On va essayer de prendre de l'énergie. Hop. Putain, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas comme ça. Oh, regarde-moi ce truc là-bas. Ok. 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 Ouais, parce que là, le problème, c'est que j'ai bouffé le poulet. 1500 balles, le poulet. Ok, full vie. Allez. On prend les thunes, et on avance. Voilà. On prend les thunes, là. Ça, c'est bon. Et là, en fait... Aïe, aïe, aïe. Putain, mais regardez-moi ce putain de troll.
Bah, espérons que bouffe-tout. Il faut trouver le deuxième bouffe-tout. Il faut aller taper un boss au moins pour avoir deux bouffe-tout. Parce que là, là c'est un nom. Voilà. Ça, c'est 100 balles, donc après... Là, il faudrait qu'il me donne de l'énergie, hein. Non, mais... Ça se prend. Parfait. Allez. Allez, allez. On se reprend. Donc ça, c'est trois bombes. Là, c'est trois bombes. Allez. Ok. Nickel. Faut aller où, là? C'est pas là. Ouais. Ok. Wouah. Y'a pas de caisse, y'a rien du tout. Allez, alors. Là, par contre, y'a une caisse. Ok. Ah, lui, combien il va valoir, lui? Oh. 50 balles! Ah! Oh putain. 50 balles! Ça se prend, hein. Non. Pas rêvé. Faut pas rêver. Oh putain, ça tombe. Oh, il est là. Il y en a un là. Par contre, Galactique. Ok. Du fric. Là, il y a du fric. Ok. On va continuer. On va continuer par là. Oh putain. Oh, casse-toi. Oh, sans déconner. J'ai rien compris. Ah, les petites taupes. Regardez, oh putain, ça fait du boulot là, hein. Oh, et bah alors. Ils sont tous ronrons. Allez, bah dégagez. Je sais pas combien vous valez, j'ai pas regardé. On va savoir ça tout de suite. Ah, on est à 4000 et des brouettes quand même. Ah, là, ça ramène plus de fric là, hein. Par contre, hein. Ah, ok. Oh putain, c'est quoi ce bordel? Mais crève! Donne-moi de l'énergie, putain. Ah, je suis dans la merde, moi. Ah! Mais putain, pourquoi il y a encore un bouffe-tout là-haut? Mais qu'est-ce que c'est, putain? Pourquoi il y a un bouffe-tout? Putain! Là, par contre, là, 50 balles, 50 balles. Alors attends. Faut pas réapparaître, hein? Il réapparaît pas. Qu'est-ce que c'est? Putain, mais sans déconner. On peut l'avoir, on peut pas l'avoir. Là, je suis mort, là, putain. Putain! Allez. Oui. C'est bon, on va pouvoir prendre le gyoza, là, machin, là, 500 balles. Là. Ouais, ouais, j'ai pas fait mon job. Voilà. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. Là, on rachète. Voilà. Donc le truc, là. Du coup... Du coup, est-ce que ça, à prendre comme ça, c'est bien? Ah mais non, j'en ai besoin pour le boss.
Du coup, allez, on est reparti là cette fois-ci. Ah putain, c'est bien de prendre l'échelle, hein. C'est super, hein. Putain, tu te baisses, ça prend pas l'échelle. Ouais. Après, bon. Après, c'est de ma faute. C'est de ma faute, hein. Je te le dis. Ah. Ouais. Ça, c'est dommage. Donc, du coup, il y a l'autre bouffe-tout en haut. Il y en a deux autres. J'ai une bombe. Pour péter la gueule à tout le monde. Là, c'était du fric. Ok, là, c'est bon. Là, ok. Là, on connaît déjà. Donc, on peut pas y aller. Voilà. Là, on trace. Et là, il y a cette espèce de connard. Ah, sans déconner. Il y a tout du haut. Oh là, ouais, c'est pour ça qu'il y a le... D'accord. Ouais. Ouais, c'est génial. Putain. Super. Super. Vraiment, c'est intéressant. C'est très intéressant. Alors là, il va y avoir les mecs de glace. Là, il y a votre con, là, ok. Là. Il y avait une boîte en bas. Faut y aller ou faut pas y aller? Putain. Ah. Ah bah si, faut y aller. Ok. Est-ce que ça revient, ça? Qu'est-ce qu'il y a en bas? Il y a de la merde. On va dire que c'est pour le retour, hein. Donc là, il y a une autre boîte. Ok, du fric. Ok. Là, ok. Ça, c'est maximum de fric. Ok, maximum de fric. Là, ça peut le faire, hein. Là, ça peut le faire. Tout à l'heure, on est passé comme ça. Voilà. Lui, il nous redonne de l'énergie. Et ça, ça se prend. Là... Il y a du fric. Ok. Il y a juste là, en bas à droite, je sais pas ce qu'il y a. Non. Il y a... Ce que c'est. Ah oui, le truc sous-marin, je me souviens. T'sais. Allez, ça dégage. Oh putain. Oh. T'es sérieux, putain. Sans déconner. Ça fait du fric, ça. 4000. Ça fait du fric. Ça fait pas de fric. Voilà. Par contre, lui... Ouh, putain, ça ramène grave. Ok. D'accord. Par contre, ça ramène grave. Attends. Ouais. Il réapparaît, lui. Ah, il réapparaît. Et tu vois ce que je veux dire. Ça n'a pas touché. Ok. 5000. 5150. Il réapparaît. Ah, ah. Super. Ok. Presque 100 balles. Presque 100 balles. Alors. Ok. Il s'excite, c'est ça, comme un con. Ok. Par contre, ce qui serait intéressant... Ok. Allez, on va aller chercher... On va aller chercher un maximum de fric. Combien ils valent? Mais s'ils valent du fric, il réapparaît en bon, quoi. Attends. 20 balles. Et du coup, 20 balles... Que ça vaut le coup? Non. J'ai pas l'impression que ça vaille le coup. Qu'est-ce que... C'est fatigant. Ok. Moi, je pense qu'il faut aller faire le boss. On n'a pas de poulet, par contre. Alors. Je crois qu'elle se multiplie. Ah ouais, mais putain, mais je suis con. Oh, allez, putain. Donc du coup, faut d'abord la toucher avec ça. Oh, ça va être pénible. Oh, ça va être... Ça va être pénible. Putain, vas-y. Oh, ça, c'est de la merde. Ouais, c'est de la merde. Je suis dans la merde. Voilà.
dans la grosse merde. Ah, c'est pas mal. Allez. Je crois que là, c'est bien tout fait. Ouh. Ouf. J'ai dézingué avec le tir. Allez mon petit, à moi le fric. Non, putain. Pourquoi? Bon, putain. Allez, c'est bon. Allez, le fric, l'énergie. Eh oui, parce que quand on le capture, on a le fric et on a aussi l'énergie. Par contre, il y en a un deuxième. Donc moi, j'ai envie de dire, j'ai pas envie de revenir là. Hein. Pour farmer. Hein. Là, les bouffe tout. Ça fait 100 balles, ça, à chaque fois. Ah, oh, quel connard. Ouais, je suis un gros con. Voilà. Fais de ma gueule. Il n'y a pas les deux. Ok. Ça, c'est bon. Donc, décidé de m'emmerder. Alors, du coup, là. Parfait. Ok. Ça, c'est pour le raccourci? Ah, putain, ouais. Ça, c'est le raccourci. Ok. Ok. Comme le tir normal, je pense. Hein. Allez. Donc du coup, 1000 balles, j'ai 7000. Je peux où acheter? Je vais acheter les 3 tirs. Je vais acheter les 3 tirs. Je vais acheter les 3 tirs et Et je vais faire un peu de fric. Juste assez pour acheter une recharge. C'est 500 balles? Je crois que c'est... Non, oh, allez, putain, mais c'est pas possible, ça. Je crois que c'était 500 balles. Oh, bon. C'est improbable. Le truc est improbable. Là, il y a un moment donné où... Oh, allez. J'espère que Bouffetou, il va me donner de la bouffe. Hein. Voilà. C'est le cas de le dire. J'espère qu'il va me donner le petit recro, le rond. Voilà, il me donne de la bouffe. Donc ça, c'est bon. Après, lui... Ah oui, oui, c'est vrai qu'en fait, je suis pas obligé de dépenser mon fric, là. Je peux juste tourner en rond. Eh oui, c'est ce que je vais faire. Ouais, c'est ce que je vais faire. Et voilà. Très bien. Parfait. Allez. Tata, tata. Allez, hop, action. On refait le même truc, de toute façon, qui me donne... Là, ça m'intéresse d'avoir du rouge, pour le coup. Ouais. Voilà. Je ne sais que vous dire pour dire que c'est absurde. Donc du coup, la fille, très bien. Très sympa. Voilà, on va prendre ce truc-là. Voilà. Là, déjà, je crois que... Moins besoin d'être précis, je crois que ça va être pas mal. Voilà. Allez. Allez. Oh putain. Par contre, plein qui pop de partout. Il y avait un sac. Je sais. Je vais pas faire ça, c'est ça. Ça me saoule. Y'a pas d'autre mot, hein. Direction de second boss. Ah non, putain. Bah très bien. C'est ce qu'il faut faire. Ok. Donc là-haut. Ouais, on va faire ça. On va faire le tour comme ça. Voilà. Ah putain, c'est peut-être ce tir-là que j'aurais dû acheter tout de suite, en fait. Ouais. Je pense que c'était ce tir-là. Je pense que si on refait le jeu avec Winston, ah, je fais toucher. Hein. Je pense que, ah là, ça fait plein de trucs. Oh, c'est plaisant. Hein. Ouais. Allez, crève. Voilà. Ah bah voilà, ça fait du fric. Donc c'est bien, c'est très bien. Donc là, fais voir. J'ai déjà 2008.
Donc du coup, j'achète l'un poulet. Et qu'est-ce qu'on achète? On se barre. On achète un poulet. Ok. Et une recharge. C'est bien. Là, il y a un truc qui... Un truc qui va sauter partout. Ouais. Toujours un tir malgré les bouboules. Ouais, j'ai plus d'énergie. Donc du coup, plus de bouboules. Alors. Nous, ce qu'on veut, c'est un poulet. Voilà. J'ai quoi comme énergie, là? Non, c'est bon. Et on va acheter une banque d'énergie. C'est pas là. Qu'est-ce que j'ai fou. Ah ouais. Voilà, j'ai validé la santé, je viens de dépenser 500 balles pour rien. Et bah c'est nickel, voilà, et bah c'est parfait. Et bah c'est pas grave, on va faire un tour pour rien. Et ouais, et voilà. Merci. Merci qui? Merci moi. Et voilà. Ah. Ok. Ça fonctionne. Des fois avec les 300 balles, déjà elle bouffe tout, des fois il me donne de l'énergie. Enfin, du truc rouge. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est un tour pour rien. Allez. Voilà, le fric. Très bien. J'espère que je me trompe pas. Du coup, là, voilà, le premier c'est 500 balles. Voilà. Très bien. Ensuite, c'est. Donc là, j'ai le poulet, j'ai le machin. Qu'est-ce qu'on voudrait d'autre? La protection. Là, on va mettre ça. Ok. C'est un peu plus large avec ça. C'est un peu plus large. Voilà, on est un peu mieux là. Là, j'ai envie de dire, on est un peu plus large. Voilà. Allez. Ok. Allez, on est bien plus large. Hein. On est bien plus large. Voilà. On va avancer par là-bas. On va aller farmer le fric. Beaucoup plus simple avec cette arme-là. En sachant qu'il y a un bouffe-tout. Ok. Donc là, on va prendre la caisse. Prendre la caisse. Voilà. Ça fait du fric, c'est nickel. Donc du coup, là, on fait ça, on monte. Hop. Là, ce tableau-là, on connaît bien, mais non. On connaît bien. Alors après, c'était pas le problème, ça va être la suite, hein. Vous avez dit, hein. Donc là, du coup, là, il y a une boîte. Oh, putain. Déjà, il y a lui, qui vaut beaucoup de fric. Et là, il y a une boîte. Là, c'est une bombe. Et donc, après, est-ce que je peux monter de l'autre côté? Parce que là, j'ai l'habitude de passer comme ça. Mais peut-être que je peux monter. Hop. Oh, le bouffe-tout, j'avais oublié. Voilà. Fric du fric. Et là-haut, on peut... Là, du coup, lui. Du fric. Là, plein de fric. Plein de petits fric. Alors, on va les désinguer. On attend qu'ils fassent leur chemin. Voilà, très bien. Hop, on bosse. Faites le trou. Voilà. Lui, il va m'emmerder. Voulant me tomber sur la gueule, c'est pas... Ah, là, par contre, j'ai besoin de lui. Voilà. Oh, fais gaffe, qui va apparaître, qui va faire quoi. Voilà. Donc là, on va essayer de bien se mettre. Voilà, comme ça. On recule. Parfait. Il va apparaître. Voilà. Très bien. Et donc, peut-être qu'on peut le choper comme ça, maintenant, le bouffe-tout, non? Ah, c'est ça. C'était donc ça, Fantomas. Ah. Parfait. Parfait. Vraiment bien. Voilà. Allez, et là, on va continuer. Je pense qu'on refait on fait un petit tour. Ah. Ah, c'est bon. Ok. Voilà, on va prendre les... Merde. On va prendre l'échelle. Voilà, c'est ça. Je pense qu'on va prendre l'échelle. Voilà. Voilà. Ah, il y a plein de petits salopards. Très bien. Super. Bouffe tout. Il donne de l'énergie. Ok. Et là, du coup... Ça doit être le golem. Mais je me souviens plus. Attention. C'est le golem. Alors lui, vous baissez, puis vous la smattez comme ça. Hein. Voilà. Je crois qu'il... Oh putain. Ah, il va faire l'électricité. Ah merde, là. Ouais, ouais, ouais. Il faut qu'il saute. Il faut qu'il saute. Il faut qu'il saute. Il a pas sauté. Allez, à moi le fric. Oh putain, pas bon du tout. Pas bon du tout, du tout, du tout. Voilà, là c'est bon. Oh, faut pas que je le perde, hein. Là. Oui.
Allez, impeccable. Impeccable. Il m'a donné un peu. Je me souviens plus. Donc là, si je vais par là-bas, il y a direct le boss. J'ai 2000 balles. Qu'est-ce que c'est le boss ? Merde. Allez, putain. Voilà. J'ai pris les caisses et tout. Ouais. Dommage. Du coup, on va aller là-bas. Je sais plus combien c'est pour recharger. 200 balles, hein. 200 balles. Une vidéo de 2 heures. Une vidéo de 2 heures. C'est quoi qu'on veut recharger? Oh là là. C'est quoi? C'est la vie? C'est l'énergie? C'est quoi? L'énergie. Hop. Ok. Du coup, j'ai 3000 balles, là. 3000 balles. Allez, tac. J'ai le poulet. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ok. Allez, on fait le petit tour qui nous intéresse. Non, ça va, par contre, faut pas monter tout. Ok, on va prendre le fric. Oh, parfait. Ok. Tac. Ok. Ok. On va aller chercher les bouffetous. Les milliards de bouffetous qu'il y a là-bas. Alors, hop, on va prendre la caisse. Merde. Parfait. Attends, voilà, parfait. Du coup, c'est parti. Oh putain. Voilà. Voilà, allez. Oh putain. Donc là où il y a le boss, on le sait. Nous, ce qu'on veut, bouffetous qui est là. Voilà, parce qu'on veut de l'énergie. Il faudrait qu'à un moment donné, on nous donne ce qu'on veut. Voilà. Les mecs qui cassent les trucs. Ça fait du point. Ça fait du fric. Ah, j'ai trop mal. Alors, du coup. Donc, les Soleil Fantôme, bien sûr, en 1985, a été nominé hein, pour les effets spéciaux. Évidemment. Et donc, on le sait que. Et que là, je me fais toucher comme un bolos. Et là. On sait que Dana Croy. Alors, c'est quoi? C'est Dana Croy et Bellucci, à la base, le scénario. Voilà. John Belushi, celui qui joue avec lui, évidemment, dans Blues Brothers. Donc, on n'a aucun des deux qui m'a donné de la vie. Aucun des deux. Et c'est triste, hein. Et donc, ils élaborent, tout le monde le sait, un scénario avec un voyage temporel. Ça coûte très très cher. Un peu absurde. Et donc, malheureusement, John Belushi décède... Alors, il décède... Notre ami, là, Belushi, il décède en 82. Et donc après, c'est Ramis, bien entendu. Je vais pas y arriver. Donc, avec Ivan Treitman, ils vont réécrire un petit peu avec Harold Ramis le scénario, d'accord? Donc, Dana Croy et Harold Ramis vont écrire le nouveau scénario. Et donc, ce sera Ivan Treitman qui va être à la caméra. On sait que son fils réalisera après Afterlife et fera un hommage un petit peu à son père. On le sait. Et on sait que le prochain qui va sortir, là, n'est pas du tout le fils... Enfin, j'y arrive pas, hein. À Ivan Reitman, qui va réaliser le film, on le sait. Et c'est ce qui fait un peu peur. C'est ce qui fait un peu peur. On aurait aimé que... Donc voilà, ils écrivent un scénario... un peu inadaptable, un petit peu. Et qui sera revu... par les deux amis. Ah, merde! Ah, putain, attendez. Ça craint rien, là? Ne bougez pas. Allez, viens là. Allez. Hop. Mettra des licornes, des machins. Oui, oui, ça va. Ah, ouais. Allez. Alors, du coup, j'ai pas d'énergie, moi.
Du coup, j'ai pas d'énergie. Oh. Du coup, c'est un peu chaud. Là, il me donne de l'énergie. On arrive au boss, là. Je sais pas. Je sais pas s'il faut pas faire demi-tour. Hein. Voilà. Tant pis. Et puis, on va prendre le temps. On va prendre le temps. On va aller chercher full machin. De toute façon, là, le fric que je vais dépenser... Oh, merde. C'est le fric que je vais récupérer là. Là, la caisse. Ouais. Oh, bah, en plus. On va se mettre full. Ah, moi... On va se mettre full. Y'a pas le choix, y'a pas le choix. C'est trop dur. Y'a pas le choix. Oh, putain. Alors là... Voilà, parfait. Donc un coup de gyoza, un coup de pétrole, et on est bon. Alors, hop. Un petit coup de gyoza. On est full. 2-3 bombes. Weapon. Voilà. Allez. Du coup, vamos au boss. On met ça. Le boss. J'arrive plus à me souvenir ce que c'est ce boss. Tableau numéro 2. Ah, si. Ok. J'arrive plus à me souvenir. J'aurais dû acheter des recharges d'énergie. Mais carrément. Pour le boss. C'est une recharge, putain. Quel trou du... Voilà. Ouais. Weapon. Ah putain, j'ai la protection. Ouais. Je vais faire le tour. Je vais faire le tour du propriétaire, je vais m'acheter une recharge et on va au boss. Et là, on va pas être mal. Ouais, parce que là, ce qui nous manque, c'est de l'énergie. Hein. Ouais. Du coup, avec tout ce qu'on sait... Oh... Ouais, avec tout ce qu'on sait, c'est bon. Hein. C'est bon. Profitez. Ok. Oula. Ouais, c'est super sympa, ça. Voilà. Ouais, du coup, j'aurais dû acheter ce tir-là avant. Hein. Ouais, ouais, parfait. C'est sûr que c'est ce tir-là qu'il faut. Hein. Avec ce tir-là, tout est plus clair. Hein. Là, on va aller faire tout le fric. Ouais, on va faire tout le fric. On va faire le tour du fric. Et on va aller acheter. Voilà, donc là en plus. Très bien. On prend. On descendra par là. Non, non, pas du tout. Oui, en plus, on va aller farmer en plus. Ceux qui valent 200 là. Ah putain, oui. Enfin, 50. Ok. Allez hop. Wouhou. Oh putain. Ok. Fric. Ok. Parfait. C'est parfait. Faites voir là. Oh, 1200, bah c'est bon. On arrive à faire 3000. Non. Allez, ça dégage. Parfait. Alors là, il, voilà, lui, il va venir. On va se faire volontairement toucher. Voilà. Donc là, c'est parti pour fric. Peut-être que je vais accélérer, hein. Ouais, c'est ce qu'il faut que je fasse. Je vais accélérer le farm. Bah, je suis con. Carrément. Carrément. On va faire ça. Hein, combien de fric? 2000. Vous voulez 3000? C'est combien? C'est vrai qu'il y a les deux qui apparaissent quand même. C'est pas mieux ça. Hop. Je pense que déjà... Oui, parce que là, ça se trouve, c'est encore plus rapide, là, non? Que ça. Ah.
Parfait. Ah, touché. Touché coulé. Alors. Eh ben, donne-moi, voilà, item, weapon. Voilà, parfait. On est super bien, là. Du coup. Du coup, vamos le boss. C'est parti pour le boss. Très con. Hop, dans le doute, on va aller chercher le bouffe tout qui est là. Ou pas, hein. Ok, c'est de l'énergie. Donc là, frame d'invincibilité, on a vu. Voilà, parfait. Allez, hop. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Hop. Ok. Donc là, on va au boss, hein. Donc du coup, on va aller prendre la caisse. Ouais, parce que là, on repasse plus, là. Je sais plus ce que c'est, on va aller voir... Ah, ça y est, ça croit. On va aller voir... Ça va, ma petite pupille? On va aller voir... Le bouffe-tout. Parfait. Ouais. Ah, alors attendez. Mais pourquoi? Voilà. Allez. Hop là. On va remettre la caméra, j'ai failli pas remettre la caméra. Allez. On verra ce qu'il fait, le Cerber. Hop hop hop. Ok. Donc là on est. Là on est parti. Donc du coup, on va se mettre la protection. Et on va essayer de défoncer le mec. Le boss. Qu'arrivez-vous? Ah, encore un... Bah allez. C'est qui? Ah, le bonhomme de neige! Et forcément, il fait tout froid-froid! Eh oui, le bonhomme de neige! Il fait tout froid-froid! Oh, il est mignon! Eh ben alors? Eh, vous ne pouvez pas relever le challenge! Haha! Ouais, il est power! C'est la puissance! Aïe, aïe, aïe. Alors, du coup, hop, tac. Donc ça, ça consomme, hein, constamment. Alors, est-ce que on mettrait pas ça, plutôt? Ah. Fait plaisir de tirer pour rien. Super. C'est qu'est-ce qui... Je peux savoir ce qui se passe. 2 secondes. Eh, mais dégagez! Putain! T'es sérieux? Voilà. Elle est tout rouge. Il va pas crever par contre. Il est pas mort. Le poulet. Catastrophique. Oh. Il était catastrophique. Qu'est-ce que... Oh putain! Allez, tire! Putain! Allez, c'est bon. C'est bon, il est mort! Oh là là, mais quelle catastrophe! Oh là là, quelle catastrophe! Fasse gaffe au pinus. Allez, il faut qu'on le chope, c'est ça? Ah non, faut pas qu'on le chope. Dis n'importe quoi. La deuxième tablette! Oh putain, c'est fait! Alors du coup, comme je vais accélérer les trucs, là c'est 1h35. On continue. Allez, on continue! Ah 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 ah! Et ouais. Du coup, il y a un peu de montage alors. Ouais, il y a un peu de montage. Ah, je continue tout d'une droite. Je coupe pas, je couperai. Je le dirai. Ouais. Alors, du coup, ah, bah, deuxième morceau de tablette en pierre. Ah, bah là. Faut continuer à chercher ces tablettes-là. À chasser du monstre. Plus en plus de patates. Et ouais, ouais, on doit y aller. Alors, du coup. Du coup, faut qu'on rachète le poulet.
Du coup, on va dans le manoir. Donc ça, c'est le... C'est le majordome, c'est le maire, hôpital, c'est un hôpital. Plutôt l'hôpital, alors, n'importe quoi. Pas le manoir du tout. Je sais pas trop. Ah, oh merde. Putain, mais oui, je suis con. C'est ce tableau-là. c'est ce tableau-là. Donc là, on doit acheter des lunettes. Eh ouais, parce que là, t'es dans le noir. Donc on doit acheter les lunettes en infrarouge. Tu vas me dire, on en a déjà deux. C'est pas grave, on va en acheter. Comme ça, on sera pas emmerdé. Comme on comptait pas le tableau, on va racheter le poulet. Et on achète à fond les bonbons. Et donc, on veut aussi... C'est... une recharge d'énergie. Mais, on va l'acheter plus tard, la recharge d'énergie. Eh oui. On va la racheter plus tard. Ça nous permettra de faire le point. D'abord, on va aller chercher ce qu'il y a dans le tableau. Ah. Donc, du coup... Tac. Voilà. Voilà. On se met ce tir-là. Et puis la protection. Voilà. Comme ça, on est bien. Comme ça, on est protégé. Alors. Je me souviens plus. Ah ! Il y a des petites merdes. Deux petites merdes. Ok. Là, visible. Ah, là, j'aurais pu aller. Je vais voir le plan. Ah oui, alors le plan, voilà, c'est un cube. Ok. Monter par là. Il y a deux petits boss. Oh putain, c'est quoi ça? Ok. Oh putain. Ça a l'air d'être de la merde invincible. Oh putain. Visiblement, faut pas tirer dessus. Ah. Ok. Oh, ça tombe. Il y a une boîte en bas. Ok. Du fric. Oh putain. Ah, je suis tombé. Allez, on tire. Oh. D'accord. Ok, ça va. Oh putain. Ça passe. Tout va bien. Tout va bien. Donc là, on peut voir le tableau, c'est des flammes. En fait, c'est pas logique parce que du coup, on voit rien. Si c'est tout en flammes, on devrait tout voir en fait. Mais non. Là, non. Alors, du fric. Là, ça tombe bien. Ah. Il est là, le premier. Il me donne de l'énergie. Donc, c'est parfait. Pourquoi j'ai fait ça? C'est une question que je ne peux vous répondre. Ok. Du coup, je parle, mais moi, je sais plus. Hein. Je sais plus qui est quoi. Donc, il y a deux middle boss. Ah. Ça y est, on voit plus que dalle. Enfin. Du coup, là, c'est bon. Ok. Merde, c'est déjà un premier boss, peut-être. Est-ce que c'est... Je sais pas qui c'est. Un Gunther. C'est un putain de dragon. Ok. Je me souviens pas du tout de ce dragon. Donc on va... Bah visiblement, ok, d'accord. D'accord, est-ce qu'il fait autre chose? J'en prends plein la gueule. Par contre, du coup, je suis vachement résistant. Hein. Oh, putain, c'est pas comme ça que ça se passe. Hop là. Donc voilà, super, hein, putain, toujours pareil. Génial. Franchement, les boss et tout. Oh putain. Donc là, il est tout... Ouais. Ah voilà. Bon bah là, je l'ai éclaté. Oh là là, c'est pas bon. Putain, faut que je fasse gaffe. Voilà, là, c'est bon. Oui, parce qu'en fait, ils peuvent se casser, les petits fantômes. Si vous les chopez pas, je crois, au bout de trois fois, ils se barrent. Donc... Plus de fric, plus d'énergie. Là, on a le fric et l'énergie. Donc c'est cool. On va continuer. À découvrir le tableau. Donc on a la barrière d'énergie. Là, si je tombe comme ça, c'est bon. Attendez. Qu'est-ce que c'est ? Je pense qu'il faut aller en bas. J'en sais rien. Putain, il y a un... Oh bah, très bien. Ça va nous permettre... Ah, ça va nous permettre d'aller... Ah bah, c'est pas mal, ça. Hop là. C'est peut-être par là qu'il faut passer. Alors. Ah bah ouais, peut-être. Ah, une caisse. Ça nous intéresse. Alors. Du fric. Toujours du fric. Du coup. Oh merde.
va aller tout en bas. Je me fais toucher. Oh, je me fais défoncer. Par contre, les monstres, je les touche pas. Je sais pas. Débile. Voilà, c'est super débile. Oula, c'est un boss ? C'est un boss, ça ? Faut pas y aller. C'est un boss, faut pas y aller. Putain. Je me fais toucher. Vous pouvez pas descendre plus bas, putain, je comprends rien. Ah non, c'était là. Ok. Là, je vois plus rien. Ok, je me fais toucher. Faut que je fasse gaffe, hein. Oh. Putain. Qu'est-ce que c'est ? Une vie ? Ah nope. Donc on peut gagner des vies. Oh putain, qu'est-ce qu'il... Oh putain. Bon bah, il faut que j'ai réussi ça. Oh putain. Oh putain. J'ai dépensé plein de trucs. Il faut que je réussisse à revenir sur mes pas. Comment je fais? Ouais. C'est peut-être en haut, hein. Il y a une caisse, là. Une bombe. Allez, les salauds là, voilà. Ok. Oh, il y avait pas un truc vert là ? Je sais pas trop. Bon, il me semble que j'ai vu un truc. Il me semble que j'ai vu un truc vert, mais j'en suis pas sûr. Ah, c'est un boss. Je peux pas y aller. Je peux pas y aller, je vais mourir. Je veux pas mourir. Comment je fais ? La musique est très bonne, hein. Très très bonne. J'espère que c'est pas trop fort. J'ai de descendre là. Oh putain. C'est bon. Et je fais comme ça. Je fais comme ça, ça passe tout à l'heure. Je me suis fait tuer, mais... Touché quand même. Un boss ? Oh putain, oh putain, oh là là. Ok. Oh, poulet. Allez, c'est dingue. Mais merde, il n'y a pas d'autre mot, merde. Allez, trop tard. Fallait venir avant, mec. C'est pas un boss, il y a une porte, mais c'est pas un boss. Ah. Je pense qu'à gauche, c'est pour revenir sur ses pas. C'est ce qu'on veut faire. Ah bah carrément. Ok, donc là, bah voilà. Poulet de merde. Ah ouais. Ah, c'est bon. Ah bah du coup, je vais acheter... Du coup, je vais acheter un... Energy Tank. Et voilà, Energy Tank pour ma gueule. Nickel. Donc là, normalement, j'ai acheté le poulet. Pas de poulet, hein. Non, j'ai pas de poulet, j'ai rien. Allez. Oui, 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 oui. Alors... Item. Ok. 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 Non. Excite. À 2000 balles. Pas beaucoup de thunes. Alors, par contre, j'ai acheté le tank. Bon, ça. Donc, du coup, hop. Du coup, je sais pas du tout quand je vais faire les coupes. Hein. J'en sais rien. Ça me semble très long avec cette histoire de fric. Nickel. Bon, là, c'est bien. Si je fais comme ça, c'est parfait. Du coup, il faut qu'on retourne là où on était. Hmm. Wouah. Ah oui, c'est vrai. C'est à droite ? Pas du tout. Oh là, celui de merde, hein. Ok. Là, je tombe. Ok, ça fonctionne. Du coup, en haut, faut pas que je monte. C'est ça ? Là, il y a les deux. Je saute. Non. Non. C'est un non. Ok. D'accord. Lui, j'esquive. Ah, 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 ah. Est-ce que là je peux... Oh putain, je peux pas monter, c'est ça ? Oh putain... Du coup, faut aller où, là ?
Ok. Les trucs qui vont apparaître ? J'imagine que oui. Ok. Allez, on va totalement à gauche. Là, il y a les deux. Voilà. Putain, nickel. Ah, ça fait plaisir. Voilà, parfait. C'est exactement ce qu'on voulait faire. C'est exactement ce qu'on voulait faire. Se faire toucher en boucle. Voilà, les lunettes. Ok, allez. Voilà, on supprime, on remet. Hop. Ah, tiens. De l'énergie ? Oui. Merci, mon pote. Alors. Et du coup, lui, on tombe. Voilà. Du coup, il y a des vies. C'est par là qu'il faut aller ? Moi, je me souviens. Du fric, du fric ? C'est ici, je sais pas. On rend pas compte. Niveau du farm, du machin. C'est le problème, hein ! Du let's play, hein, c'est la découverte. Je suis tombé comme une merde. Alors là, du coup... Ouah ! Du coup, là... Là, j'ai deux endroits où je suis pas allé. Avec toute la ligne du bas. On va essayer d'aller en bas. Oh, putain. Oh. Allez, on verra bien. Super. Génial, hein. Donc les trucs qui tombent. Ça tombe, ça ? Ouais. Le bleu, on tire pas dessus. Oh là là. Oh, bon. Ah ! Oh ! Putain, mais c'est bas ! Putain. À droite, c'est pour revenir sur ses pas. Et là, il reste... Qu'est-ce que c'est ? Ok. Il n'y en a pas là ? Qu'est-ce que c'est ? D'accord. Ok. Il bouge pas là-bas ? Il va y avoir des merdes ? Est-ce qu'il y a des... Putain, il y a des merdes. Il y en a trois ? Oh mais là, une énergie, j'ai plus d'énergie ! Ça va tomber, la merde ? Alors, c'est 1 sur 2. Oh putain, je me suis fait griller le cul. Tu fais griller le cul. Ah bah là, faut mettre... Mettre la lunette, là. Voilà. Ok. Je sais plus qui... Je sais pas qui c'est. Donc là, j'ai un poulet à mettre. Un Gunther. Oh putain. C'est les flammes. What? C'est une putain de blague. Moi, je veux bien, hein, mais à un moment donné... Putain, mais... Putain, mais... On déconne, mais... Toujours la tête, hein. C'est toujours la tête. C'est... Sauf que là, la tête, elle est pas grosse. Hein. Ah, est-ce que je vais pouvoir le toucher ? Voilà. J'ai l'impression que oui. Allez, putain. Je sais pas s'il est dans sa dernière couleur ou pas. C'est ça le truc. Comme un mongolos, putain. Ouais, c'est bon. Faut voir le rythme. La musique dans ta tête. Allez. Ah, faut se baisser à chaque fois. Oui, oh là là, mais d'une facilité déconcertante. Aïe 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 aïe. On va se concentrer là. Voilà. Non. Oh là là. Oh là 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 là. Qu'il va pas falloir déconner. Voilà. Là, je pense que c'est bon. Oui. J'ai presque 2 heures là au compteur. On finit ce tableau, on finit le premier épisode. On accélère. On accélère le farm. Putain, ça va me demander du boulot ça. Du coup, je peux aller à droite ? Non. Le plan ? Ok. Donc il y a un truc au milieu, on n'a pas allé. Voilà, ok. Et là, on... du coup, on va aller à gauche.
On va aller à gauche. Je sais plus le boss. Peut-être une tête de feu. Ah putain, il y a... Allez. On veut, c'est rentrer au QG. On veut rentrer au QG. Donc là, c'est les trois connards. 1 sur 2. Bon, je reviens plus ici, hein. Les trois connards. Putain. Ouais, bah là, on se casse. Exit, direct, nickel. Du coup... Bah j'achète un tank. Bah ouais. Par contre, ça veut dire pas de poulet, là ? Ah, c'est pas possible. Je peux pas accepter. Est-ce que... Est-ce que je dépense 500 balles ou pas ? Pas tout de suite. Ah, on se casse. On se casse. On est d'accord, le poulet j'ai utilisé. Hein. Ouais. Ok. Donc là, ce qu'on veut, c'est regagner... Ah, mais c'est de la merde. Ce qu'on veut, c'est regagner le poulet. Donc, on met ça. On met ça. C'est 8 bombes le maximum, c'est pas 9. Bizarre. Et là, on est parti pour farmer. Voilà. Je sais pas combien ça rapporte, c'est de merde. Faites voir. 930. 930 boules. C'est des 5? J'ai pas compris. Ah. Voilà. Là, les deux caisses. Voilà, c'est important. Ça, c'est bon. Ouais, quand même, hein. Il y a lui. C'est intéressant. Alors, là-haut, je sais plus. Plus qu'intéressant. Non, c'est juste le boss, là. Bah, du coup, il y a bouffe tout direct. Non. Du coup, le boss, il serait en haut. Ah non, putain, il est au milieu, en bas au milieu. Alors attends, parce que là, il y a un endroit où on n'est pas allé. Je sais pas où c'est. Si, non. Ouais. J'ai rien compris. Voilà. Ah, il y a une caisse. Ok, d'accord. Eh ben, écoute. On va faire comme ça. On va continuer à faire du fric. On va racheter le poulet. Là, c'est en bas qu'on veut aller. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Parfait. Hop. Parfait. Parfaito, Pépito. On avance, on avance. On devient tout trou. On devient tout vaporeux. Et ouais. Et c'est bon. Hop. Ah, c'est une bombe. Une lunette. Voilà. Très bien, du fric. Du coup, c'est tout en bas pour faire le tour du monde ? Passer par là, hein. Merde. Là, s'il n'y a pas le Cerber. Mettre les licornes, les machins. Mettre ce qu'il faut. Ok. Parfait. Le poulet. On veut le poulet. On veut le poulet et on va au boss. Item. J'en suis haut au niveau de mon énergie, moi. Oh putain. Faut prendre le gyoza, mec, hein. On va manger un petit peu asiatique. J'ai pas le fric. C'est pas grave. On va l'avoir en 2 secondes, le fric. Ah ouais. Devrait l'avoir en 2 secondes. Hop. Truc rouge. D'accord. Allez, ouais, on va faire le tour. Et on va prendre le fric. C'est bon ? Allez, hop. Voilà. Là, il y a le fric. Fric. Voilà. Ça, c'est fait. Hop. Oh, toujours 300, ça. Ouais. Du coup, lui, peut-être avec un peu de chance.
pas si mal. Ouais, des fois on continue, hein. On n'achète pas le Gyo-Gyo. Des fois. Des fois on y va direct. Il faudrait retomber sur un petit... un petit mange-tout, un petit Slimer qui nous donne de la vie. Voilà, lui il nous a pas donné de vie, mais c'est pas grave. Hop, voilà. Ça c'était de la bombombe. C'est très dommage. Pic. Oh merde. Je n'ai pas que ça tombait comme ça là. Là normalement c'est là. Y'a pas de bouffe tout. Ok. Un bouffe tout avec de la vie. S'il y a pas de bouffe tout, comment on fait? Pas de bouffe tout. J'ai de la bombe. Je me souviens pas du boss. On a un poulet. On a max énergie. Moi je dis ça se tente. Du coup, on y va. Alors c'est. Il y a un trou. Il y a un pont. Oh putain. Oh bordel, vous avez de la chance! Ok, il va nous arrêter parce qu'il est pas content. De toute façon, il y a le maître qui est pas loin. Oh putain. Oh là. Du coup, on fait quoi là? Est-ce qu'il faut mettre ça avec ça? Le gros tir. Oh putain. La bouche, hein. Toujours été la bouche. Non. Moi, il me semblait que je le faisais avec le triple boubou, là. Je sais pas si je le touche beaucoup. En plus, feu contre feu. Je sais pas. Si je fais comme ça, ça touche pas. J'en sais rien! Ah, j'ai pas révisé. T'as pas touché. Change pas de couleur. Tu as la moitié du zboob. Il a pas changé de couleur, le truc. Il change de couleur. Oh là 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 là. On va enlever ça. Il a pas changé beaucoup de couleur. Hein. Oh, faut tirer vraiment tout en haut en fait. Oh, je suis perdu là. Et ben, j'ai l'impression que c'est pas ça qu'il fallait faire. Ah, j'ai tout. J'ai l'impression que c'est pas ça. Là! Là, j'ai touché. J'ai pas touché. Touché. Ok. J'ai l'impression que c'est pas bon. Hein. Tu vas me dire, t'es con, t'attaques du feu avec du feu. Évidemment que c'est pas bon. On a pas dit que c'était un RPG, le jeu. On a dit que c'était un RPG. Non. Alors... Ça change pas du tout de couleur. Ça a changé de couleur. Ouais. Dans la merde. Ok. Il est devenu tout froid, je crois. J'ai l'impression qu'il est devenu tout froid. Ok. Donc là, si ça tire quand même. Ok. On va garder cette mentalité là. Je pense que c'est pas comme ça qu'il faut l'avoir. Je pense pas. Hop.
Je pense pas que ce soit comme ça. Oh putain. Oh putain. Ah, touché, hein. Allez. Touché une fois. Merde. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, je me débrouille bien. Par contre, j'ai trop mal. Ça me casse un peu les bonbons, hein. Ça me gâche un peu le truc. C'est le problème. Ah ! Qu'est-ce que... D'accord, lui il crève, ok. Ah, regarde, il y a de l'animation et tout, c'est sympa, hein ! Regardez, hop là, blablabla. Allez, ça dégage ! Je suis abasourdi. Oh putain, il y a l'or de l'hélicorne. Ghostbuster, 35e machin. Vite. Putain, on a cassé du... Alors, il apprécie beaucoup ce qu'on a. Donne-nous le fric. Voilà, 6000 balles. Troisième morceau de tablette. Et là, il faut qu'on continue. Oh putain, c'est au maximum. Là, là, il y a du fantôme. Putain, là, c'est la merde. Item. Sold out, sold out. Je peux acheter de la bombe. Okay. Faut pas que les lunettes en aient besoin. Alors, 8000 pour une recharge. Et après, le truc à 3000, je crois que c'est de la merde. Je crois que c'est les boules qui montent là, des bulles. Et l'autre, c'est le truc qui explose. Moi, je pense qu'il faudrait avoir le truc à 35. Ça veut dire beaucoup de farm. Quelle heure il est ? C'est 2h. Enfin, c'est 2h. C'est 2h que j'enregistre. Je pense que c'est le bon moment pour mettre fin. Allez, je mets ça comme ça. Là, pour l'instant, je suis pas mort. Je suis pas mort, mais j'y vais vraiment à tâtons. C'est dur. Franchement, le jeu est dur. Là, pas quoi dire. Je suis un peu comme ça. J'ai l'impression de jouer à un RPG. Parce que du coup, je farme mon pognon et puis j'y reviens. Alors, il y a des choses à dire. Est-ce qu'on va les dire au prochain épisode ou est-ce qu'après, on fait Winston sans farmer? Ouais. En normal. On fait pas le One Life, on fait sans farmer, on fait en normal. Je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va faire ça. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous mets, hop, vous regardez, là, il y a plein de petites vidéos. Si tu veux voir du tout savoir du machin, ça s'affiche, t'as ma gueule, tu cliques dessus, tu t'abonnes. Tu partages la vidéo, tu commentes, tu mets les pouces. Si tu mets pas de pouces, c'est la mort. Si tu commentes pas, c'est la mort. Si tu partages pas, c'est la mort. Eh ouais, parce que tu veux que ça continue. Eh ben, faut partager, faut liker. Allez, je vous remercie, bisous à vous tous, et à la prochaine. Moi, c'est tout de suite. A tout de suite.